Ça, c'est un projet d'afficheur de trim. Bon, c'est une jauge, hein, elle fait 8 cm de long. En fait, le principe, c'est un bar graphe, mais avec une seule LED allumée. Donc, quand on met sous tension, c'est alimenté en 5 volts. Il y a 4 prises, hein, derrière. Voilà, là. Derrière, j'ai 4 petites prises. Version finale, il y aura une DB9, hein, une version avec une prise DB9. Celle-là, c'est le proto. Donc, quand j'allume, les LED indiquent qu'elle fonctionne. Ça s'arrête au centre. C'est un indicateur de trim pour 737. Et là, j'ai tout simplement deux boutons. Donc, un qui va faire partir d'un côté. Et quand on arrive au bout, il y a un dépassement de capacité qui clignote comme ça pour indiquer que je suis hors de l'échelle. Et je peux très bien repartir dans l'autre sens. Voilà, même principe, quand j'arrive au bout, dépassement de capacité. Remise à zéro, c'est simplement les deux entrées en même temps. Voilà, donc là le zéro est ici, ça pourrait être une des extrémités. Maintenant une autre fonction, c'est quand je reste appuyé sur une des entrées. Voilà, vous avez ici les LED qui clignotent, il y en a 5 en bout, ici, et qui vont indiquer la puissance de la LED. Donc là, si je le laisse là, voilà, si je le laisse en bout, la LED est très lumineuse. Donc voilà, là il y a une luminosité faible et si je la laisse en bout, je suis beaucoup plus fort. Donc on va le refaire, hein, ici. Je vais laisser la LED, la cinquième LED ici, je suis faible. Si je laisse clignoter en bout, je suis fort. Voilà, remise à zéro. Je vais refaire la manip. Donc là je vais laisser cinquième, c'est très faible, très fort. Remise à zéro. Donc ça peut se commander avec, au lieu des boutons, bien sûr, ça se commande avec des sorties de quartier. Hein, c'est un signal positif qu'il faut envoyer à la carte. Voilà, à bientôt.